Ils ont entre 10 et 11 ans et ont déjà un avenir prometteur dans le football. De jeunes et talentueux joueurs venus de 11 pays différents, représentant 32 équipes au stade du Brûle à Roubaix ce week-end pour la 11e édition de la Pousse Cup, un tournoi international de football réservé aux tout jeunes joueurs, des enfants qui évoluent déjà dans les équipes juniors des plus grands clubs professionnels comme Barcelone, Rotterdam, mais aussi des équipes suisses, marocaines et françaises avec les clubs du LOSC, Paris Saint-Germain et Valenciennes, entre autres. Tenant du titre, les Lillois ont su préserver leur trophée en disposant de Valenciennes en finale. Un moment de partage et de découverte devant des tribunes pleines pendant 2 jours. Julie Sicot est partie à la rencontre de ces jeunes joueurs, ravis d'avoir pu participer à cette compétition. On les écoute. Je suis content et puis j'espère qu'on va le gagner. On a bien rigolé et puis on s'est surtout bien amusé. C'était bien, on a tapé le Barça, Porto, Lazio, toutes les grosses équipes. C'était bien organisé, puis on a bien joué, alors c'est bien. Ça a changé, on joue contre des plus grosses équipes. On arrivait quatrième. On arrivait quatrième. Mais on aurait ouais, pu arriver premier. On arrive au moment, c'est la finale, et puis ça va jouer à pas beaucoup. Et je suis très content d'être venu ici.